Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis pas maquillée, je suis en pyjama, j'ai les cheveux mouillés parce que je viens de sortir de la douche. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons tester des masques chelous. Et oui, et je me disais que c'était le moment idéal pour tester des masques. Vu que je viens de sortir de la douche, on va faire ça au calme, tranquille, posé dans la chambre. Alors j'ai, tadam, les masques de ces Dr. Jart Plus que j'ai récupéré de chez Sephora. Alors c'est un coffret qui se présente comme ceci avec 3 masques dedans. Et c'est un coffret malheureusement qui n'est pas en vente. Vous pouvez trouver les masques qui se vendent sur Sephora. De toute façon je vous mets les liens en barre d'infos. Et c'est un coffret en fait de 3 masques. Un masque qui est hydratant, un masque qui est raffermissant et un masque qui est au charbon qui est moussant. Donc je me suis dit que c'était des masques qui vont être assez chelous et que ce serait bien de les tester ensemble en vidéo. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu juste en bas, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous surtout si ce n'est toujours pas fait, on vous laisse avec le crash test. Du coup on commence par ouvrir déjà la boîte, j'ai pas encore ouvert. Je sais pas comment c'est à l'intérieur, ça fait 2 semaines que je l'ai chez moi, je n'ai pas encore touché la boîte. Du coup c'est parti, on va découvrir ensemble ça. Ok. C'est assez bizarre. Ah, ok. On a le masque moussant juste là, qui est au charbon. Et je pense que c'est un masque qui va venir désincruster, purifier la peau, etc. Si vous entendez un bruit, c'est mon chien. Et on a un masque qui se présente comme ça, et c'est le masque hydratant et le masque raffermissant en rose. Et aujourd'hui, je pense que je vais tester que 2. Parce que sincèrement, le masque raffermissant, j'en ai pas trop besoin. Je pense que je vais laisser à ma mère, puisqu'elle vient dans pas longtemps. Du coup, je vais le laisser pour elle et je vais lui demander de tester et je vous en dirai des nouvelles sur Instagram. Et aujourd'hui en fait je vais tester le masque au charbon, hop, qui va venir purifier ma peau. Et juste après, la combinaison parfaite, un masque hydratant pour donner et réhydrater ma peau. Hop. Ah d'accord, d'accord, ok. Alors ça c'est un masque en tissu. C'est hyper chelou déjà, attendez, attendez, on va dire. Masque moussant au charbon est un soin intensif permettant de remédier aux problèmes de pores. Ce que ça donne. Bon, pour l'instant ça sent hyper bon, il est très agréable, sincèrement très agréable à mettre. Alors si je devrais comparer avec les masques Sephora, je dirais que celui-là est plus facile à mettre et il est plus agréable. En fait le tissu il est très 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 doux, donc ça c'est bien. Ah, ah, ça commence à mousser. Ok, d'accord, du coup je vais laisser agir 10-20 minutes et on se retrouve juste après. Au contact de la peau, ça commence à faire de la mousse. Ok, et ça va venir en fait nettoyer les pores. Et sincèrement, ma peau en a beaucoup, 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 beaucoup besoin. Là, je regarde le retour caméra parce que c'est bluffant. J'ai jamais vu, j'ai jamais essayé un masque comme ça. Ça me fait tout bizarre. Je suis en face d'une grande fenêtre et il y a mes voisins qui sont en train de me regarder avec de gros yeux comme ça. Ils savent pas ce qui se passe. Je sais pas ce que je fais, c'est un peu... Moi je déteste quand ça va dans la bouche. Mais ouais, c'est assez agréable, regardez. C'est cool. Ça crépite, je sais pas si vous entendez mais ça fait comme des petites boules de gaz qui s'explosent. On commence à... Oh, c'est trop chelou. J'avais déjà vu des vidéos comme ça. Genre des vidéos de youtubeuse qui crash testait des trucs qui gonflent, des masques qui gonflaient. Et genre je me suis jamais rendu compte que c'était aussi genre agréable. C'est trop agréable. Vous quand vous regardez ça, vous allez vous dire c'est dégueulasse mais c'est trop agréable les gars. Et voilà, j'ai laissé poser le masque 20 minutes et comme vous l'avez vu, la mousse est totalement partie. Le masque il est devenu à peu près tout sec parce que mon visage a absorbé en fait la mousse. Et maintenant, on va enlever le masque. Ok, déjà, pour hyper lumineuse déjà, de 1. Et maintenant, je vais venir, hop, le masser légèrement. Alors, petite update. Je sais pas si vous voyez bien, s'il y a trop de lumière, je crois. Bon, ce
que je pense du masque? Sincèrement, c'est un masque qui est hyper, déjà premier point, c'est un masque qui est hyper déstressant et ça détend mais de ouf, ça détend de malade. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous appliquez le masque, au contact de la peau, ça commence à faire la mousse que vous avez. Et cette mousse là, bah, elle crépite, elle fait du tic, 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 ça crépite et ça détend de ouf, mais c'est un truc de malade. Et là, bah déjà, regardez, ma peau, elle est toute nette. Elle est toute blanche, on dirait un fantôme, sérieux. Elle est toute blanche, elle est toute rebondie, elle est... J'adore ce masque. Le truc qui me choque, en fait, moi, quand j'ai lu que c'était un masque purifiant, que ça allait nettoyer les pores et tout, je me suis dit, forcément, c'est un masque qui va déshydrater, on va dire, la peau. Alors que là, pas du tout. Elle est hydratée, ma peau, elle est rebondie, elle est... Elle est ferme, on ressent que c'est une peau en bonne santé en fait. Et c'est un truc de malade. Deuxième étape de cette vidéo et qui est l'application du masque hydratant. Mais avant ça, vu que le premier masque a laissé un petit film gras sur ma peau, je vais venir enlever ça en utilisant une lotion de chez Origins, qui est celle-ci. Et c'est vraiment ma lotion préférée, je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos sur ma chaîne. C'est une, on va dire, une solution micellaire ou une lotion qui va venir purifier vos pores. Et elle a un effet un peu mentholé qui apporte de la fraîcheur à la peau. Et j'adore appliquer ça le soir et le matin. En fait, moi, j'ai un réflexe, c'est à chaque fois que je me lave le visage, j'enlève tout ce qui est calcaire et tout ça avec cette lotion-là. Et c'est vraiment génial. Allez, souriez, je vais vous prendre en photo pour ma mère. On va venir prendre ça. Et à ce que j'ai compris, c'est un masque qui va être fait en deux étapes. Alors la première étape, ça va être une ampoule pack. Alors je sais pas ce que c'est. Ampoule hautement hydratante texture gelée. D'accord, mais ça nous dit pas comment faire. Alors déjà dans la boîte. Ah ouais, c'est ça, attendez. Alors on a ça, hop. Ça je pense c'est l'ampoule. Et on a dedans... Et on a le masque. Alors, première étape, c'est ça, ouais, c'est écrit 1. Et on va ouvrir, on va venir mettre le produit qu'il y a dedans. Vraiment, c'est très bizarre. Regardez, ça a une texture un peu bizarre. Et c'est trop bizarre. Je suis pas habituée à ce genre de texture-là. C'est très dé... Ah ! C'est très déstabilisant. Mais moi j'adore la nouveauté, j'adore tester de nouveaux trucs, donc ça va. Et franchement je trouve que ce serait bien que les autres marques, genre Sephora et tout, fassent des masques comme ça, genre qui nous sortent quelque chose d'innovante quoi, des choses nouvelles, des choses fun comme ça, qu'on voit pas forcément partout. Hop, alors c'est bon, j'ai tout mis, il reste plus rien. J'ai tout mis sur ma gueule. Et du coup maintenant on passe à la deuxième étape qui est ce petit truc là. C'est quoi ça? Ah, c'est les masques que je vois. Ah, j'avais trop envie de tester. C'est les masques en silicone. Tada! C'est trop cool. C'est un peu grand pour moi ça, mais bon. Mon dieu. On dirait un extraterrestre. Ah, il y a mon chien qui me regarde comme ça, il comprend rien. Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là sur sa gueule? C'est très bizarre comme truc. C'est hyper rafraîchissant, les trucs ils sont froids. C'était pas mis dans le réfrigérateur hein. Les trucs ils sont froids. C'est hyper agréable, oh mon dieu. J'adore. Alors je vais laisser poser 40 minutes et on se retrouve juste après. Alors voilà. Ok. Déjà comme tout à l'heure, peau hyper lumineuse. Oh.
Alors, que là j'ai appliqué le premier et le deuxième masque, je peux vous donner mon avis là-dessus, mon avis sur la marque Dr. Jart+. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je suis conquise par cette marque-là, par ces masques-là, parce que c'est des masques qui sont tout en un. C'est la première fois que je vois des masques comme ça. Chaque dimanche, je me fais une petite routine cocooning et vous voyez ça sur mon Instagram. Mais je n'ai jamais ressenti ce que je ressens actuellement. Une peau fraîche, une peau hyper détendue. Moi, physiquement et mentalement, je suis hyper détendue, hyper calme, hyper sereine. Les masques font du bien à la peau, mais font aussi du bien à ton être, quoi. C'est incroyable. Comme je vous ai dit, le premier masque qui fait des... La mousse, elle crépite un peu. Du coup, ça déstresse et ça détend. Au début, je me suis dit que non, c'était gadget, ça marchait pas. Les masques en soi, ils coûtent assez cher. Le masque bleu, il coûte 10€ et le masque noir, il coûte 5,99€. Donc, c'est des masques qui coûtent assez cher par rapport aux masques en tissu qu'on trouve dans les grandes surfaces, chez Sephora et tout. Mais franchement, ils valent totalement leur coût. J'ai un avis très positif sur cette marque-là et sur ces masques-là. Du coup, voilà, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que je vous ai fait découvrir une nouvelle marque, de nouveaux produits que vous ne connaissiez pas avant. Et voilà, du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la première fois que je teste en live des masques comme ça, des masques un peu chelous, des masques un peu nouveaux. Et franchement, moi, j'ai adoré filmer cette vidéo. Là, je suis hyper détendue. Après je vais aller me lancer sur mon canapé, mettre Netflix et être au calme pendant toute la journée. C'est terminé, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu juste en bas, ça me fera hyper plaisir. Abonnez-vous surtout si ce n'est toujours pas fait, activez la cloche de notification, car même si vous êtes abonné, YouTube ne vous alerte pas. Ne vous dites pas que j'ai sorti une nouvelle vidéo, c'est un peu dommage, du coup activez la cloche de notification. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.